Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur France 3 Corse Via Stella, la édition spéciale en ce jeudi 3 mars, au lendemain de l'agression d'Ivan Colonna. Le militant nationaliste âgé de 61 ans est toujours dans le coma, attaqué hier matin par un co-détenu au sein de la centrale d'Arles où le prisonnier corse était incarcéré pour l'assassinat du préfet Erignac. Nous serons en direct devant l'hôpital Nord de Marseille où Ivan Colonna est actuellement hospitalisé. Nous irons également dans son village de Cargèse et alors que quelques habitants et proches sont actuellement rassemblés. Dans le même temps, l'enquête se poursuit pour tenter de faire la lumière sur les conditions de cette agression. Enquête pour tentative d'assassinat, initialement ouverte par le procureur de Tarascon et finalement confiée au parquet national antiterroriste en raison de la personnalité de l'agresseur, Franck Elong Abbé, emprisonné pour islamisme radical. On s'intéressera à son profil ainsi qu'aux différentes zones d'ombre de ce drame. Un drame qui n'a pas manqué de susciter l'émoi, mais aussi la colère au sein de la société corse. La mobilisation s'organise. Une assemblée générale à l'appel des syndicats étudiants était organisée ce jour à Corté. Corté où un rassemblement est en cours. Les élus nationalistes pointent du doigt la responsabilité de l'État. Nous entendrons ce soir les dernières réactions politiques ainsi que celles du président de l'exécutif de Corse, Gilles Simeone, et notre invité. Mais d'abord, prenons tout de suite la direction de Marseille et plus précisément de l'hôpital Nord, là même où Ivan Colonna a été transféré hier en fin de journée dans un état plus que critique. Ce soir, son état semble stable. Marc-Antoine Renucci, bonsoir. Quels sont les derniers éléments dont vous disposez? Alors Marianne, on en sait effectivement un petit peu plus. Un point médical avec les proches d'Ivan Colonna a été effectué en tout début d'après-midi. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il se trouve toujours dans une situation de coma post-anoxique et que son état est stabilisé. Mais un espoir infime est désormais permis. On essaiera de joindre Marc-Antoine Renucci un petit peu plus tard. Vous l'avez entendu, quelques membres de la famille d'Ivan Colonna ainsi que certains de ses proches se sont rendus à Marseille, dans son village de Cargèse, et beaucoup le soutiennent à distance. Ils sont actuellement réunis à l'église latine où vous vous trouvez, Jean-Philippe Mattei. Jean-Philippe, bonsoir. On imagine l'émotion qui y règne ce soir. Oui, bonsoir Marianne, beaucoup d'émotions, vous l'avez dit, vous vous en doutez. Alors ce matin, le rassemblement n'était pas prévu, ou si l'on peut davantage parler ici de veillée. L'ambiance au village, je vous le rappelle, était assez tendue du fait de l'agression d'Ivan Colonna hier à Arles et personne n'avait voulu s'exprimer face à notre caméra. Vers 15h30, les jeunes cargésiens ont commencé à prévoir ce rassemblement et vers 17h, ils ont commencé à lancer des messages sur les réseaux sociaux pour que les habitants se retrouvent ici, sur la place de l'église latine de Cargèse. Comme ce matin, l'ambiance est assez peu dans le village d'origine d'Ivan Colonna. Ici, on se raccroche aux quelques lueurs d'espoir sur son état de santé. Et ici, une cinquantaine de personnes est réunie pour le moment autour du feu et toujours plus d'habitants affluent en solidarité aux militants nationalistes et sa famille, qui n'est pour le moment pas présente ici. La veillée pourrait durer jusqu'à tard dans la soirée avec des chants corses qui devraient débuter d'ici peu. Tant qu'il y a du feu, en tout cas, les jeunes seront là. Si la pluie ne vient pas contrecarrer leur plan, ici, en tout cas, pour l'instant, il y a du monde. Jean-Philippe, merci. Merci également à Stéphane Lapéra qui vous accompagne. Mobilisation également des détenus de la prison de Borgo ainsi que ceux de la maison d'arrêt d'Ajaccio qui, tour à tour, ont annoncé une grève des plateaux repas jusqu'à nouvel ordre. À Borgo, vous le voyez, en signe de soutien, des drapeaux corses sont accrochés aux fenêtres des cellules. Les détenus réclament, ont-ils dit, le rapprochement de l'ensemble des prisonniers corses. J'évoquais tout à l'heure les différents rassemblements de soutien et de protestation. Pour l'heure, ils se tiennent dans le calme. On l'a vu tout à l'heure, on le verra tout à l'heure à Corté. Néanmoins, en prévention, 150 CRS et gendarmes mobiles sont arrivés sur l'île en renfort, ainsi que des policiers spécialisés du RAID. Et nous sommes désormais en mesure de vous parler de l'état de santé d'Ivan Colonna. On va tout de suite retourner du côté de Marseille et de l'hôpital Nord. Où vous vous trouvez, Marc-Antoine Renucci? Oui Marianne, donc on en sait un petit peu plus, je vous disais, un point médical avec les proches d'Ivan Colonna a été effectué en tout début d'après-midi. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il se trouve toujours dans une situation de coma post-anoxique et que son état est stabilisé. Mais un espoir infime est désormais permis car dans la nuit notamment, il y a eu une petite amélioration. Les médecins ont d'ailleurs été surpris. Ivan Colonna semble heureusement pour lui disposer d'une bonne constitution. Dès midi, moment où les visites sont autorisées, ses proches sont venus le voir.
Loire. Présents notamment son fils Diambati, son frère Stéphane, ainsi que d'autres parents et amis. Selon certains de ses proches, justement, un nouveau point médical est prévu dans la soirée assez tard. Le but est maintenant de voir comment Yvan Colonne a réagi à la diminution des doses de sédatifs, mais également de savoir si son cerveau a subi des liaisons ou non. Les prochaines 36 heures seront en tout cas décisives. Marc-Antoine Renucci, merci. Merci aussi à Jennifer Capaille derrière la caméra. Pierre-Simon Paul, il nous a rejoint sur ce plateau. Pierre, bonsoir. Merci. On le verra dans un instant. Des rassemblements ont eu lieu hier, ont eu lieu ce soir à Corté devant la sous-préfecture. Des rassemblements qui se tiennent dans un contexte, une ambiance particulière. Oui, les soutiens sont nombreux, mais le temps semble suspendu. Suspendu tout d'abord à l'état de santé d'Yvan Colonne, qui a entraîné beaucoup de confusion depuis hier. Il a d'abord été annoncé mort, notamment à la famille, par des sources médicales, relayées enfin par des sources policières mais aussi politiques, des sources réputées fiables dont certaines se sont finalement ravisées pour nous annoncer qu'Yvan Colonne a été finalement plongé dans le coma. C'est dans ce contexte d'incertitude donc que les soutiens se mobilisent aujourd'hui à Corté et Cargès, on l'a vu hier soir aux quatre coins de l'île dans une ambiance un peu particulière. Hier soir de recueillement, aujourd'hui peut-être d'espoir. Pour le moment, des rassemblements se sont déroulés dans le calme, mais personne ne peut prévoir ce qui se passera, et notamment ce dimanche à Corté, puisque à l'issue de la réunion de Corté d'aujourd'hui, l'idée d'une manifestation qui se tiendrait, mobilisation à 14h30 à Corté, a été actée. C'est aussi dans ce contexte qu'est arrivé ce matin le nouveau préfet de Corse, Amaury de Saint-Quentin. Il est arrivé à Ajaccio et selon nos informations, il aurait déjà pris ses fonctions alors que son installation était prévue lundi prochain. C'est dire si la situation est tendue à l'heure où l'on parle et donc suspendue au sort d'Yvan Colonne. Mais quelle que soit l'issue à l'hôpital nord de Marseille, il semble difficile, voire impossible, d'effacer l'incompréhension et la colère des soutiens d'Yvan Colonne qui sont donc de plus en plus nombreux ce soir. Merci beaucoup Pierre. Vous restez avec nous, on en reparlera dans un instant aux côtés de Gilles Siméogne. Mais d'abord, intéressons-nous à l'enquête. Comment un détenu si particulièrement signalé a-t-il pu être sauvagement agressé, étranglé puis étouffé par un co-détenu? Question centrale soulevée hier par l'avocat d'Yvan Colonne. Alors que s'est-il passé hier matin dans la salle de musculation de la maison centrale d'Arles? Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. En parallèle, une enquête administrative a été déclenchée. Les précisions de Dominique Moret avec Morgane Plouchard. C'est derrière ces murs de la police judiciaire de Marseille que Franck Elongabé, qui reconnaît être l'agresseur d'Yvan Colonne, est actuellement entendu. L'homme de 36 ans, condamné notamment pour avoir participé au djihad en Afghanistan, aurait affirmé en garde à vue qu'Yvan Colonne a mal parlé du prophète, ce qui serait le mobile de l'agression selon l'AFP. Pour l'heure, aucune source judiciaire ne confirme cette information. Il est 10h15 hier matin. Yvan Colonne est dans la salle de sport de la maison centrale d'Arles quand Franck Elongabé lui saute dessus à pieds joints avant de le frapper. Par la suite, l'agresseur a tenté de l'étouffer avec un sac poubelle dont il aurait été porteur. L'examen de la vidéosurveillance révèle qu'aucune parole n'a été échangée entre la victime et l'agresseur. La défense d'Yvan Colonne s'interroge au vu de son profil. Comment Franck Elongabé a-t-il pu obtenir un travail lui facilitant de circuler en prison? C'est un profil extrêmement inquiétant et de nombreuses questions se posent, notamment pourquoi celui-ci bénéficiait d'un statut d'auxiliaire d'étage, un statut qui lui permettait de circuler peut-être un peu plus facilement que les autres détenus, un statut qui est une marque de confiance de l'administration pénitentiaire. On n'accorde pas ce statut-là, ce travail, en fait, à tous les détenus, à toutes les personnes condamnées. Ce matin, nous sommes parvenus à joindre l'avocat de Franck Elongabé. C'était avant qu'il puisse s'entretenir avec son client. Depuis, l'homme de loi n'est plus joignable. Il a reconnu l'agression sans difficulté qu'il avait commise. Est-ce qu'il reconnaît la volonté homicide? Il ne reconnaît pas, pour l'instant, la volonté homicide. Est-ce qu'il avait eu déjà maille à partir avec Yvan Colonne? Et de toute évidence, non. Et ce qu'il m'avait rapporté, c'est qu'il n'avait aucune difficulté avec qui que ce soit à Arles. Tout se passait bien. S'il était considéré comme radicalisé, il est surprenant qu'il ne soit pas passé par un quartier d'évaluation de la radicalisation. Après, il n'a pas de pratique au quotidien radicale. Monsieur Elongabé, il est musulman, mais il n'a pas de pratique radicale au quotidien, comme on peut voir chez d'autres détenus. Vu son profil, c'est normal qu'il ait pu travailler en prison, d'aucuns s'interrogent. Oui, c'est normal. Il était à la centrale d'Arles, il était détenu particulièrement signalé. C'est donc une prison qui accueille des profils assez lourds.
Le bulletin officiel du ministère de la Justice précise que la candidature des DPS aux activités offertes en détention ou à un travail doit faire l'objet d'un examen attentif. La réunion dans un même lieu de détenus DPS doit, dans la mesure du possible, être limitée, notamment en maison d'arrêt. Y a-t-il eu manquement à la règle ? Les enquêtes judiciaires et administratives devront le dire. Autre zone d'ombre, le communiqué du procureur mentionne, dès la découverte de la victime inanimée par un surveillant pénitentiaire, les secours internes prodiguaient un massage cardiaque moins de 3 minutes après l'alerte. Combien de temps après les faits, la victime a-t-elle été découverte ? Y avait-il quelqu'un pour regarder la vidéosurveillance ? Je pense qu'à la maison centrale d'Arles, qui est une prison ultra sécurisée, hein, puisqu'elle est censée accueillir des DPS, il y a des caméras de vidéosurveillance partout. Comment est-ce que cela se fait que les surveillants ne sont pas intervenus rapidement ? Plein de questions, effectivement, se posent, et pour l'heure, qui sont sans réponse. Yvan Colonne est toujours soigné à l'hôpital Nord de Marseille. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, ce qui suppose des complicités. Dans ce cas, qui pourraient être les complices et combien ? Dans l'île, les actions de soutien se multiplient. Illustration à Corté. Vous le découvrez sur ces images. L'université était symboliquement bloquée ce jour. Banderoles placardées et discours devant les campus. Corté, où un rassemblement est actuellement en cours. Un peu plus tôt, les syndicats étudiants tenaient une assemblée générale visant notamment à dénoncer la responsabilité de l'État dans ce drame. Des élus ainsi que des personnes de la société civile ont répondu présents. Retour sur cette journée avec Paul Salor et Alexandra Lassiaille. 500 personnes rassemblées sous un chapiteau au centre du campus Grimaldi. Tous les leaders, tous les partis nationalistes présents, l'image est rare. Les syndicats étudiants, à l'initiative de la réunion, voulaient rassembler. Ça a permis d'aplanir un peu tout, sachant que les syndicats étudiants et les élus ne se sont plus entretenus depuis de nombreuses années. Et dans un deuxième temps, continuer la mobilisation après les appels qui ont été lancés hier à Ajaccio, Bastia et Corté. Les échanges se sont déroulés à l'abri des caméras. Pendant 2 heures, de nombreuses prises de parole appellent à une mobilisation forte. Les participants conviennent d'organiser une grande manifestation dimanche à Corté. Collègues qui contre domenica, Nîmes. Alors, domenica in Corté. À la sortie, les élus nationalistes saluent l'initiative portée par la jeunesse. Il fallait bien que quelqu'un fasse l'appel et on a eu la chance que ce soit une jeunesse dynamique qui, dans le sens du devoir, lance un appel patriotique fort à toutes les organisations politiques pour venir à Corté pour définir les modalités d'une action de riposte à l'ignoble agression dont a été victime Yvan Colonne et à l'agression dont est victime la Corse depuis maintenant bientôt 5 ans. Après avoir traversé la ville en cortège, tous convergent vers la sous-préfecture. Sur place, ils s'accordent sur la nécessité d'une forte mobilisation. C'est une manifestation massive dont il a été dit qu'elle serait le point d'entrée d'un processus plus important, plus long. Je crois qu'on a encore une fois besoin de ce temps-là de respiration, de mobilisation démocratique et politique. Donc ça va commencer dimanche, mais de l'avis même de ceux qui l'ont initié, cette mobilisation va continuer. Nous avons exprimé la nécessité de maintenir les mobilisations et c'est vrai que les prochaines heures, les prochains jours vont devoir voir la concrétisation de cette mobilisation et surtout, elle ne devra pas faiblir. Est-ce que cette volonté d'inscrire la mobilisation dans le temps et de maintenir un front uni tiendra ? Réponse dans les prochains jours. Et dès hier, dans un communiqué, la famille d'Yvan Colonne a exprimé toute sa colère et son incompréhension. Elle entend demander raison à l'État. Aujourd'hui, des membres du gouvernement étaient interrogés par nos confrères sur ce drame. Écoutez-les. Gilles Sibéoni dit que l'État français a été défaillant dans le cas d'Yvan Colonna. Non mais l'État français, il apporte une protection à l'ensemble des détenus qui sont menacés. Ça, je le dis de manière très claire. Nous faisons en sorte de limiter au maximum le risque pour eux et de les protéger. Il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte. On a par ailleurs déclenché une enquête administrative pour faire la lumière sur ce qu'il s'est passé. Je sais que le Premier ministre et le garde des Sceaux s'occupent de cette histoire. Je crois que, évidemment, tout le monde est très choqué par cette histoire. Je veux avoir une pensée pour la famille de M. Colonna. Je veux aussi avoir, en tant que ministre de l'Intérieur, une pensée pour Mme Erignac et pour la famille Erignac.
Voilà, je crois que le Premier ministre qui a saisi l'inspection générale de la justice pour savoir ce qui s'est passé dans cette prison a eu raison de le faire très rapidement. Le président de l'exécutif, Gilles Simeoni, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on l'a entendu et vous l'avez dit hier sur notre antenne, l'État français a toute sa responsabilité dans ce drame. Depuis, avez-vous pris attache avec des membres du gouvernement? Y a-t-il eu une communication avec Paris? Il n'y a pas eu de communication officielle avec Paris. Il y a eu un certain nombre de responsables politiques français qui m'ont envoyé des messages pour dire qu'ils comprenaient et partageaient notre émotion. Mais il n'y a pas eu de contact au plus haut niveau avec le gouvernement. Hypothèse d'un assassinat djihadiste, vous y croyez? Tentative d'assassinat djihadiste? Ce dont je suis certain aujourd'hui, c'est de deux choses. D'abord, c'est que si le droit au rapprochement avait été appliqué de façon loyale, comme la société corse et les parlementaires français l'ont demandé, ce drame ne serait pas survenu. Donc, première responsabilité majeure de l'État. Deuxièmement, et votre reportage très complet a confirmé cette analyse. Cette affaire, elle est tout sauf claire. Je dirais même qu'elle est extrêmement trouble et tous les éléments qui sont révélés me conduisent à penser véritablement qu'il faudra beaucoup s'interroger. C'est-à-dire des complicités, même un assassinat qui aurait été commandité, par qui, pourquoi? Manifestement, ce monsieur a été armé. Il a été remonté comme un coucou. Qui l'a armé? Qui l'a remonté? Qui lui a permis de circuler librement dans la prison, qui lui a permis de s'introduire librement dans la salle, qui lui a permis de frapper pendant plusieurs longues minutes jusqu'à la mort ou pratiquement Yvan Colonne sans que personne n'intervienne, ni les surveillants qui étaient présents à quelques mètres, ni ceux qui étaient censés être derrière les caméras de vidéosurveillance. Comment se fait-il que tout cela s'est passé? Je n'ai pas tellement confiance dans l'enquête judiciaire ni dans l'enquête administrative qui seront menées. Par contre, ce que je sais, c'est que la famille, les avocats d'Yvan Colonne et nous-mêmes, nous serons présents pour défendre le droit à la justice, y compris dans cette affaire. Et au-delà de ce qui pourrait être révélé, je pense qu'en ce qui nous concerne, notre conviction est déjà faite. Ce sont des propos forts, des accusations fortes même. Vous pensez à quelque chose qui aurait été commandité au plus haut sommet de l'État ou de l'État profond, comme vous le nommez? Je pense que toutes les interrogations sont permises. Ce qui est certain, c'est que la succession de facteurs qui ont conduit à ces tentatives d'assassinat est tout sauf due au hasard. Alors, vous avez assisté, sur le plan de la mobilisation, vous avez assisté à cette Assemblée générale qui s'est tenue à Corte cet après-midi. Une manifestation est prévue à 14h30 dimanche. Vous serez présent. Gilles Simeoni, on sait que vous incarnez depuis de nombreuses années le combat pour la paix. Quand on entend, quand on voit la colère, notamment chez les jeunes, par rapport à ce qui s'est passé hier matin à Arles, vous arrivez à trouver encore les arguments pour les canaliser, ces jeunes? D'abord, un retour sur l'initiative qui a été prise aujourd'hui par les syndicats étudiants et au-delà d'eux par la jeunesse corse, une large partie d'entre elles. Je pense qu'ils l'ont fait, ils ont exprimé avec leurs mots, avec leur spontanéité, le sentiment à la fois de tristesse infinie, de colère, d'impuissance et de refus qu'on les prive de leur droit à la démocratie. C'est ça ce qu'ils nous disent. Notre devoir, à nous nationalistes, à nous élus, à nous adultes, et citoyens, c'était bien sûr d'être présents à leur côté pour les accompagner dans leur mobilisation. Je continue à penser qu'elle doit être pacifique. Et puis aussi pour répondre à leurs interrogations légitimes. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, nous, on croit en la démocratie, nous, on croit dans l'idéal qui nous porte. Cet idéal, il a été validé par une majorité de Corses et aujourd'hui, le suffrage universel n'est pas respecté. Et vous, élus, qu'est-ce que vous faites? Et c'est vrai qu'il faut apporter une réponse à cette interrogation que se posent les jeunes, mais que se posent tous les Corses. Je continue à dire qu'il ne peut pas y avoir d'autre chemin que la démocratie. Je continue à dire que ceux qui ne respectent pas la démocratie portent une lourde part de responsabilité dans la situation actuelle et dans ce qui risque d'avenir. Mais je dis aussi qu'il est de notre responsabilité aujourd'hui de nous donner tous les moyens, y compris à travers une mobilisation énergie, y compris à travers d'autres formes de mobilisation citoyenne, de faire respecter le suffrage universel, de faire respecter le droit à la justice et à l'équité, de faire respecter tout simplement les intérêts de la Corse et du peuple corse. On entend votre appel à la paix, mais vos propos, vos discours répétés, votre action la semaine dernière à la préfecture d'Ajaccio et vos propos ce soir sur ce plateau où vous accusez en quelque sorte l'État, est-ce qu'ils n'ont pas tendance à provoquer le contraire? Écoutez, nous, on dénonce un certain nombre de scandales. J'entendais ce soir que, en quelque sorte, nous serions responsables de la situation de tension qui va grandissant parce que nous dénonçons les scandales. Ceux qui sont responsables de la situation de tension qui va grandissant, ce sont ceux qui ne respectent pas la démocratie. Et ce sont ceux qui sont à l'origine de mécaniques funestes.
Moi, je continue à dire que la démocratie, c'est le seul chemin qui vaille pour la Corse. Ce n'est pas moi qui ai tort. Ceux qui ont tort, c'est ceux qui refusent la démocratie. Alors, mobilisons-nous, réfléchissons ensemble, continuons d'élargir, parce que nous sommes des nationalistes. Mais beaucoup de Corses qui ne sont pas nationalistes partagent ce soir notre sentiment d'indignation, partagent ce soir notre refus que les choses continuent à fonctionner comme elles ont fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de Corses, tous les nationalistes, et beaucoup de Corses qui ne le sont pas, sont prêts à dire de façon pacifique mais très déterminée à l'État qu'il faut changer de politique en Corse et qu'il faut changer de politique en Corse pas dans un mois, pas après l'élection présidentielle, tout de suite, avec des signes forts. Gilles Simeone, vous restez avec nous, mais je voudrais maintenant que l'on écoute d'autres réactions politiques. Un certain nombre d'élus ont réagi après cette agression côté nationaliste, mais pas seulement. Ils étaient interrogés par Stéphane Paul et Franck Rombaille. Le droit ne s'est pas appliqué concernant ces détenus et ce n'est pas acceptable. Surtout quand le président de la République, accompagné de Robert Badinter, entend faire porter au niveau international l'interdiction de la peine de mort. Or, aujourd'hui, nous le disons clairement depuis des mois et des mois, la situation qui est imposée au commando Erignac s'assimile à une condamnation à mort. Et ça, ce n'est pas acceptable. Il y a une enquête qui doit faire toute la lumière et je serai véritablement très vigilant par rapport à cela. Il faut se mettre dans la tête l'idée suivante. On ne peut pas dissimuler ce qui s'est passé. Il va falloir apporter des réponses. Vous avez deux hommes qui sont sous un régime particulier, qui se sont retrouvés seuls pendant de longues minutes. Quelqu'un qui a le temps d'être agressé au coup et deux coups, ensuite étouffé avec un pied posé sur la trachée, ensuite un sac sur la tête, ça fait froid dans le dos encore une fois, parce qu'on peut imaginer que l'un et l'autre auraient dû être particulièrement surveillés. N'oublions pas la personnalité de ce djihadiste. Ma vie n'avait rien à faire avec quelqu'un comme Yvan Colonne, en tout cas dans une proximité. Il y a inéluctablement des failles qui se sont produites pour qu'on en arrive à la commission de tels actes. Une enquête administrative de l'inspection générale a été demandée par le Premier ministre. Il faudra qu'elle fasse toute la transparence sur cette question. Une instruction judiciaire est en cours, puisqu'il y a tentative d'assassinat. La justice devra être là, implacable, aussi dans la transparence, parce que les Corses l'attendent, la famille d'Yvan Colonna l'attend aussi. Depuis des années, on l'a entendu, hein, beaucoup d'émotions, mais depuis des années, les familles alertent sur le manque de sécurité pour les Corses incarcérés aux côtés de radicalisés. Vous aviez prévenu le gouvernement sur ces questions-là ? Oui, bien sûr, sur ces questions et sur les autres. La demande d'application du droit au rapprochement depuis de très longues années, de trop longues années. L'alerte, effectivement, sur des risques éventuellement, puisque la Corse et les détenus corses avaient été pointés par des blogs ou des sites ou des réseaux à teneur islamiste, mais je crois qu'il ne faut pas déplacer le débat. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas entre les nationalistes corses et les islamistes radicaux, ou en tout cas, si c'est un problème, c'est un problème qui est marginal par rapport au problème central. Le problème central, c'est un État qui n'applique pas le droit aux prisonniers corses. Donc aujourd'hui, au-delà des enquêtes administratives et judiciaires qui vont prendre des mois et qui peut-être risque d'être même enterré. C'est une question simple et une réponse simple qui peut être donnée dans quelques jours. J'espère qu'Yvan Colonna va vivre. Je n'en suis pas sûr. Mais est-ce que oui ou non, l'État est prêt à appliquer le droit et à rapprocher Pierre Alessandri, Alain Ferrandi, et je l'espère, Yvan Colonna, dès que son état de santé le permettra, est-ce qu'il est prêt à le faire tout de suite ? Dans les heures à venir, dans les jours à venir, c'est la seule question qui vaille et la réponse qui sera apportée, j'ai envie de vous dire, c'est la seule réponse qui peut donner un élément sur la volonté de l'État de changer de politique en Corse. Merci Gilles Simeone. On rappelle que vous serez présent du coup à la mobilisation dimanche avec d'autres partis nationalistes notamment. Derrière les jeunes et derrière la jeunesse et à leur côté. Parce que c'est aussi notre responsabilité. Merci beaucoup Gilles Simeone, merci Pierre. Cette édition spéciale arrive donc à son terme. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. À 20h, nouvelle édition spéciale consacrée à Yvan Colonna. Ce sera aux côtés de Frédéric Danès dans le Noutier Dial. Bonne soirée.